La quasi-reconstitution du duché d'Aquitaine lors de la réforme des régions a été l'opportunité d'écrire une saga romanesque sur une femme d'exception. Aliénor d'Aquitaine, deux fois reine, reine de France et reine d'Angleterre, mais aussi la grand-mère de l'Europe, ses descendants ont régné en France, en Angleterre, en Allemagne, au Portugal et en Espagne. Alors on a beaucoup écrit sur Aliénor d'Aquitaine, oui, mais elle a souffert d'une légende noire. Une légende noire qui vient de chroniqueurs de son temps qui ont été choqués par le tempérament indomptable et indocile de cette femme d'exception. En effet, Aliénor d'Aquitaine, toute jeune reine de France, a introduit à Paris les mœurs d'Aquitaine dans une région austère et rigoriste. Elle a surtout introduit l'amour courtois avec ses troubadours, cet amour, cette fine amour qui transforme la femme de repos du guerrier en déesse souveraine. Également, lors de l'appel à la croisade, quand Bernard de Clairvaux prêchait à Vézelay, elle est apparue à la tête d'un escadron d'Amazones équipé comme un chevalier, l'épée au poing, haranguant à son tour les pèlerins. Aliénor, quand elle s'est séparée de son premier mari, a choisi elle-même son second mari. Un scandale pour l'époque, une femme ne choisit pas son mari. Aliénor était une femme lettrée qui lisait. Or, l'on disait à l'époque que la littérature détourne les femmes du droit chemin. Une femme se consacre uniquement aux tâches domestiques et sert son mari. Or, Aliénor est une femme que les hommes servent et pas une femme qui sert son mari. Ensuite, elle s'est mêlée de politique et s'est même mêlée de stratégie militaire. Alors, pour mieux comprendre Aliénor, samedi prochain à la même heure, nous brosserons le portrait de cette reine d'exception.